en couture. Veuillez vous asseoir. Please be seated. Reprise de l'audience. The court is back in session. Avant de donner la parole à la défense de Kyesampang, before giving the floor to the Kyesampang defense, informe la les parties ainsi que la défense que faute de ressources des interprètes, due to a lack of interpretation resources, les parties devraient parler lentement afin que les débats soient bien menés. To make sure that the proceedings are properly conducted. À présent, la Chambre donne la parole à la défense de Kyesampang. The Chamber gives the floor to the Kyesampang defense. Merci, Monsieur le Président. Thank you, bonjour, Monsieur Bansik. Je reprends là où nous nous en étions arrêtés avant la pause. Vous avez confirmé que Ted Pok, chef de district de Barai, était une personne dont des cadres de votre connaissance vous avez parlé. Est-ce que vous savez si Hun, le frère de Susun et le chef de la région 42, a tenu des réunions auxquelles Tepok, chef de district de Barai, était présent? Est-ce que vous le savez? Head of the Barai district, to your knowledge. À chacune de réunions de secteur, les chefs de district y étaient présents. The head of the district was present. Vous-même, lorsque vous avez été secrétaire de district adjoint de Chamkarleu, est-ce que vous avez assisté à des réunions présidé par Eun, le chef de région 42. Oui, mais je n'y ai jamais assisté avec Pau. But I never attended those meetings. J'ai participé à des réunions où des instructions ont été données. Meetings at which instructions were issued. Des plans de travail ont été donnés avant lors des réunions du comité permanent de district. During meetings of the standing committee of the district qui y assistaient. Meetings of the standing committee of the district. Avec l'autorisation de Monsieur le Président, je voudrais donner la première page de la déclaration du témoin 2 TCW 850, la déclaration E3/5293, de façon à ce que je puisse évoquer le contenu de cette déclaration sans donner le nom en audience publique, si je peux, avec l'aide de M. l'huissier, remettre la première page de cette déclaration au témoin en lui indiquant que je veux lui poser des questions à la suite de la lecture du contenu de cette déclaration et en lui demandant de évidemment pas donner le nom du témoin en question. And I would ask him not to give the name of the witness in question. Vous y êtes autorisé. President, please proceed. Monsieur le témoin, je vais vous remettre la première page de la déclaration que je vais vous faire commenter, sur laquelle je vais vous poser des questions. Et s'agissant d'un témoin devant comparaître, je vous demande de ne pas donner le nom de cette personne dans le cadre de vos réponses. As you answer my question. Est-ce que vous avez pris connaissance du nom de la personne? C'est souligné en couleur. Have you taken cognizance of the name of that person? It is highlighted. Est-ce que vous avez vu le nom de cette personne-là
en couleur et je vous remercie de ne pas le répéter en audience. Peut-être avec l'aide de votre conseil. Giving that name in public. Oui, il s'agissait bien du secrétaire yes, de district. That person was indeed the district secretary. Je vous demande, donc sur cette déclaration, ERN en français, 00367 748 748. 749, pardon. Or rather, ERN en Khmer. 00 3 4 8 8 4 2 4 2. ERN, et ça se poursuit sur la page suivante. ERN en anglais. 00 3 5 1 7 0 3. Voilà ce que dit ce témoin. And this is what that witness stated. J'ai été convoqué une fois à une réunion qui a eu lieu à Cham Karle, en province de Kampong Cham. C'était une venant de la région qui dirigeait cette réunion. Lors de cette réunion, le supérieur a présenté un plan relatif à la culture du riz. A plan regarding mais aucun plan the growing of rice, relatif aux purges n'a été présenté. Regarding purges was presented. À mon arrivée au district, upon my arrival in the district de Barai, il y avait un document Barai comportant district, uniquement des instructions relatives à la protection de la frontière et de la révolution. Il y avait également un autre document selon lequel il était ordonné de traiter avec égard les habitants du 17 avril et interdit de faire la distinction entre le nouveau peuple et l'ancien peuple. Fin de citation. Ma première question, est-ce que vous avez le souvenir lorsque vous étiez à Cham Karle, même sans y avoir assisté, d'avoir entendu parler d'une réunion présidée par Eun, au cours de laquelle un plan relatif à la culture du riz a été présenté, et au cours de laquelle on a évoqué un document sur le fait de ne pas discriminer le peuple du 7 avril. Est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire? Est-ce que vous avez entendu parler d'une telle réunion? Ou est-ce que vous avez assisté à une réunion évoquant les mêmes sujets? Oui. Après mon retour de Krochma, ce document avait déjà été élaboré. That document had already been drafted. Ce document consiste à nous demander de procéder à des exécutions et à augmenter la production et à donner des rations alimentaires plus importante. Voilà, en fait, c'était rations. Après mon retour à Krochma que de tels documents avaient été émis. That document was issued. Alors, dans ma traduction en français, j'ai entendu que c'était un document qui vous invitait à procéder à des exécutions. Est-ce que j'ai bien compris ou est-ce que s'agit d'un problème de traduction? Is that a translation problem? Or that is indeed what you have stated. Non, en fait, le document ne nous demande pas de procéder à des exécutions. Require that we carry out executions. Est-ce que je comprends bien? Donc le document vous indiquait, vous invitait à ne pas procéder à des exécutions. C'est bien ça? Invited you not to carry out executions. Is that correct?
Oui, le document nous demande d'arrêter de procéder à des exécutions. Asked us to refrain. Est-ce que vous avez vu personnellement ce document? Question. Did you see that document with your own eyes? Non. Answer. Mais lors d'une réunion, on a parlé. Meeting, referred to it. Et il y avait and comme participants des that meeting was maîtres. Attended by on disait qu'il fallait arrêter les exécutions. And it was said je n'ai pas lu no further executions le document, I mais not read the document, on a abordé la question lors de cette réunion. That subject was broached during that meeting. La question qui est posée aux témoins dans cette déclaration E3-5293, toujours à la même page, il lui est posé la question, avez-vous vu cette circulaire? Et sa réponse est la suivante, j'ai vu cette circulaire et je l'ai même apprise. Je ne sais pas de quel niveau elle provenait. Elle était élaborée sous forme de livre. It was fin de citation. In the form of a book. Est-ce que Eun vous a indiqué d'où venait cette circulaire? What was the provenance? Première question. Est-ce que Eun vous a donc indiqué, quand il vous a parlé de cette circulaire, d'où elle provenait? About that circular. Did he tell you what was the provenance of that document? D'après ce qu'il a dit, le document est émané d'en haut, peut-être du bureau 870. Quand vous dites peut-être, ça veut dire que vous ne savez pas. Que vous a-t-il dit, que vous a-t-il dit exactement au meilleur de vos souvenirs? Si vraiment vous ne vous en souvenez pas, je ne vous demande pas d'inventer, je vous demande simplement le terme qu'il a utilisé, si vous vous en souvenez. Non, je ne me souviens pas d'où le document émanait. Recall who issued the document. Vous avez évoqué vos fonctions de secrétaire adjoint du district de Tsiankarle. Est-ce que, dans le cadre de vos fonctions, vous occupiez également de mariages? Non. Answer, no. Est-ce que vous avez assisté, dans le cadre de vos fonctions ou en dehors de vos fonctions, à des cérémonies de mariage? Outside of those duties and responsibilities, did you attend any marriage celebrations? Oui. Answer, yes. Est-ce que vous savez qui avait en charge l'organisation de ces cérémonies? Who was in charge of organizing such ceremonies? En réalité, answer. Pour des propositions de as mariage, a matter of fact, as regards marriage proposals, le mariage se faisait par de nombreuses couples, et c'était marriages des unités respectives qui faisaient les propositions. The respective units involved that ce même the témoin, document question, toujours E3-5293-00-36-77-51 en français, en Khmer 00-34-8-8-4-4, ERN en anglais 00-35-1-7-0-5. Zero five.
Voilà la question qui est posée à ce témoin. This is the question that was put to the witness. Qui pouvait autoriser les mariages? Who could authorize marriages? Sa réponse a été la suivante. The witness's answer was on décidait follows. Des mariages pendant des réunions marriages entre le district et la commune. During meetings between the district and the commune. Le mariage était décidé en fonction de plusieurs marriages éléments. Were decided premièrement, according to several criteria. L'âge, au minimum 18 ans pour la femme. The age, deuxièmement, leur amour, s'ils s'aiment réellement. Troisièmement, l'accord des parents. Fin de citation. Est-ce que, dans le cadre de réunions de district ou de la commune auquel vous avez assisté, vous avez souvenir d'avoir assisté à de telles discussions à propos de mariage? Encore une fois, au meilleur de vous souvenir, si vous ne vous en souvenez pas, je ne vous demande pas d'inventer. Tell us what you can remember, and if you don't remember anything, don't invent anything. Je ne me souviens pas de ce qui a été soulevé lors de ce genre de réunion. I don't recall what was said at those meetings. Je voudrais revenir sur différents termes que vous avez employés et qui d'ailleurs n'ont pas forcément été correctement traduits dans ma version française. Dans le document E319-19.3.73 à l'ERN en français 00841972 à l'ERN en Khmer 00800009956 et à l'ERN en anglais 00841947. Vous évoquez les arrestations qui ont eu lieu à Krochmar. Et voilà ce que vous avez dit. And this is what you stated. C'était alors les gens des communes qui arrêtaient certains habitants et les envoyaient aux gens de district. Puis, les gens de district envoyaient les dossiers aux responsables de région. Ces derniers les envoyaient aux responsables de zone, puis les gens de la zone les envoyaient. Alors en français, ça a été traduit comité central, mais en Khmer, c'est le terme Machum que vous avez utilisé. Je voudrais dire le centre. Est-ce que vous pouvez me confirmer que c'est bien que Machum, ça veut bien dire le centre? Et en précision, qu'est-ce qui est, selon vous, le centre? What does the center stand for? Le centre était l'échelon suprême, le plus élevé. Supreme echelon, that is the highest echelon. Pendant la période du Kampuchea démocratique, est-ce que vous saviez à quoi correspondait, enfin à quelle personne correspondait ce centre, ou est-ce que c'était un terme générique qui était utilisé? Pol Pot, Nguyen Chi, Yeng Sari faisaient partie du centre. Mais est-ce que vous avez, au cours du Kampuchea démocratique, rencontré l'une de ces trois personnes à un moment donné? Any of the three persons you have mentioned at any point in time? Non, jamais. Answer? No. Est-ce que vous savez comment étaient prises les décisions à ce sommet, à ce centre, comme vous l'appelez? Est-ce que vous savez comment étaient prises ces décisions? The center, as you refer to it. Do you know how decisions were taken
at the center. J'ai tout oublié. Answer. Il est difficile de I have dire forgotten quoi que everything. It is difficult for me to tell you anything specific. Il m'est impossible de d'émettre une opinion là-dessus. It is impossible for me to je ne vous demande précisément pas d'opinion, je vous demande est-ce que vous saviez tout à l'heure, je vous ai posé des questions sur est-ce que vous avez assisté à des réunions du comité permanent de zone? Vous m'avez répondu non. Vous avez répondu un certain nombre de choses à mon confrère Copé en indiquant que au niveau que vous aviez, il y avait des informations que vous n'aviez pas. Donc, dans le même sens, je vous demande simplement de répondre au meilleur de votre connaissance, à savoir, si vous savez, vous savez, et si vous ne savez pas, vous ne savez pas. Donc ma question est de savoir, est-ce que vous saviez à quoi correspondait le chiffre 870 ou le bureau 870 que vous avez évoqué au cours de votre déposition? Le bureau 870 faisait partie du centre où était même le centre lui-même. Est-il exact de dire que vous ne savez pas combien de personnes faisaient partie de ce bureau, ni combien de personnes, ni à qui faisait exactement référence 870 lorsqu'on évoquait ce nom? Who exactly represented Office 870 whenever that name came up? Non, je ne sais pas qui faisait partie du centre de, non, de 870. Were the members of Office 870? Est-il exact de dire que votre supérieur hiérarchique direct, lorsque vous étiez au district de Champ-Carleu, était le secrétaire de district? Was the district secretary? Do you know whether that was the person, the district secretary? Mon directeur, mon chef immédiat, c'était Soon, secrétaire du district. Was Soon, district secretary. Est-il exact de dire qu'à part la conversation dont vous avez fait état avec Son Sen au sujet de votre affectation à Kepok, en dehors de cette discussion, vous n'avez pas eu d'autres discussions avec Son Sen, ou est-ce que j'ai mal compris? Did you not have any other discussions with Son Sen, or did I not properly understand your testimony? Je n'ai pas discuté avec Son Sen. C'était le centre. C'est la zone nord qui m'avait affecté à Rochma. It was the north zone that had sent me to Rochma. J'ai été envoyé là-bas par Run et sent there by Son Sen. Run and Son Sen. Alors, j'ai cru comprendre de votre déposition que vous avez eu un entretien direct avec Son Sen. Conversation with Son Sen. Et qu'au cours de cet entretien, il vous avait dit, il avait évoqué le sort de votre frère en disant que vous n'aviez pas dit toute la vérité dans votre biographie, mais que vous n'aviez rien à craindre et qu'il fallait que vous retourniez travailler avec Kepok. Est-ce que j'ai mal compris votre déposition? Did I not properly understand your testimony? Oui, c'est exact, parce que à l'époque, je devais faire une biographie exhaustive. Il s'agissait de la deuxième fois. Mon frère a été tué, donc mon frère, dans sa biographie, My brother, in his
biography. On savait que mon frère avait été tué, alors que dans ma biographie, je n'ai pas mentionné son exécution. Ils m'ont dit que mon frère avait été tué et de ne pas m'inquiéter et que je pourrais aller travailler avec K-POC sans aucun problème. Et ma question est donc de savoir si cette conversation avec Son Sen est la seule que vous ayez eue avec lui. Je me suis entretenu deux fois avec lui. En me disant également que mon petit frère avait été éliminé et moi je me suis écroulé de peur. Après, il m'a dit de ne pas avoir peur et que je pourrais retourner travailler avec K-POC sans aucun problème. Donc, si je comprends bien, pendant toute la durée du Kampuchea démocratique, ce sont les deux seules fois au cours desquelles vous vous êtes entretenu avec Son Sen. C'est bien ça. Yes, that is correct. Oui, c'est exact. Je voudrais maintenant en venir au moment où vous avez été affecté à Krochmar, si j'ai bien compris votre déposition, vous avez indiqué que cette affectation a été faite par Eun, c'est bien ça? Yes, that is correct. Et que c'est lui qui vous a demandé de changer votre alias révolutionnaire lorsque vous arrivez dans la zone Est. C'est bien ça. Yes, oui. At that time, Eun advised me to have a different alias. Conseillé d'avoir un alias différent. Tout à l'heure, vous avez indiqué quel alias vous aviez utilisé, mais je ne m'en souviens plus. Est-ce que vous pouvez me redonner cet alias que vous avez utilisé lorsque vous êtes arrivé dans la zone Est? Initially, I was known as Ho, and in the East Zone, it's changed to Han. Hong Han. Hong Han. Est-ce que c'est sous ce nom que vous vous êtes présenté aux personnes que vous aviez sous vos ordres à ce moment-là? Yes, then he told me that Comrade Han, you are assigned to be in charge of Krochmar district. There were few of us at the time, so I went. Quand vous dites nous étions plusieurs, quelles autres personnes ont été affectées en même temps que vous? There were Ao and Oun. Et Oun. And we were assigned from the central zone, that is from sector 42, the three of us. We went there and each of us had a messenger. Et nous avons été envoyés là-bas et chacun d'entre nous disposions d'un messager. Thank you.
Nous avons entendu un certain nombre de témoins devant cette chambre qui ont évoqué une vague d'arrestation et une détention de Cham à Trier. Est-ce que vous avez entendu parler d'une vague d'arrestation de Cham à Trier? Et est-ce que, surtout, vous avez ordonné la détention de Cham à Trier? I already testified that j'ai déjà dit. After the rebellion, I went for the study session. Je suis allé and étudier. After that, I returned. I worked in the work site. To gather the people to work in the work site and then to draft soldiers to go to the front of the field. Because by that time the situation was in a severe condition and I did not know what about the events that you talk about. Je ne sais rien de ces événements dont vous me parlez. Dans une déclaration qu'il a faite intérieurement à sa comparution à l'audience du 8 septembre 2015, M. Itzen, document E1-343.1, un petit peu après 11h19.06, confirme une déclaration antérieure dans laquelle il dit que il y avait un Seng qui était SENG, qui était en même temps chef de la commune et chef militaire de la commune. Est-ce que vous avez le souvenir d'un certain Seng qui était dans une commune dans le district de who was in the commune in the district Krochmar. In Krochmar district. No, I do not recall that name, and non, that name does not ring a bell to me anyway. Ne me dit absolument rien. Avant d'évoquer les autres témoins de Cham qui sont venus déposer devant cette chambre, je voudrais une précision sur la période à laquelle vous êtes arrivé à Krochmar. Vous avez évoqué à plusieurs reprises le fait que la situation était chaotique. D'abord, à Monsieur le Co-procureur international et ensuite à mon confrère, vous avez indiqué qu'il y avait eu un incident au cours duquel un milicien avait tiré sur votre assistant. Première question, est-ce que vous pouvez nous indiquer quel était le nom de cet assistant qui a été blessé et ensuite, dans quelles circonstances exactes il a été blessé? It was Al. He was the deputy chief of the district. He was shot at the river bank in the afternoon, but I cannot tell you the date that he was shot. En tant que chef de district, quand vous êtes arrivé, est-ce que vous aviez la responsabilité de miliciens ou de soldats du district? No, I wasn't. No. Because at that time there were soldiers working there and also there were the center army who worked in collaboration with us. And after the rebellion
I was sent for a study session, j'ai été envoyé and étudier. After return, I had to implement the work plan that is the agricultural work plan at the work site. And the situation at that time was chaotic, and we were thinking what we, where we go if we were to be defeated, whether we were to flee to Thailand or not. Devions-nous peut-être nous enfuir en Thaïlande ou pas? Donc, si je comprends bien, quand vous faites état de situation chaotique, vous ne faites pas seulement référence à la fuite de Sao Pim ou de Chi Sim du côté du Vietnam, mais vous faites également référence à des combats, c'est bien ça? At that time, a cousin of my wife told me that the situation was rather chaotic, and he asked whether I listened to the radio or not, because the National Salvation Front was formed, and that I should be vigilant, and that I should not sleep at one place at night time. Et je ne devrais pas dormir toujours au même endroit le soir. J'ai cru comprendre que parmi vos attributions à Krochma, vous deviez recruter des soldats pour aller combattre à la frontière vietnamienne. Est-ce que j'ai bien compris? Yes, that is correct. Oui, c'est exact. Est-ce que vous avez effectivement procédé au recrutement de soldats? Et est-ce que vous pouvez indiquer, si au meilleur de vous souvenir, à quelle période de l'année 78 cela se passait? I cannot recall the date. What I remember is that after I returned from the study session, then I made the recruitment for soldiers. I was instructed by the center to recruit only 100, but I recruited 200 soldiers. Somehow, then the center army knew about my recruitment, and they alerted the center, and I was called by the center to answer those questions. On a informé le centre, et le centre m'a convoqué pour répondre à des questions. Je vais vous relire un passage de votre déclaration de 3/375, et vous allez m'indiquer si c'est bien cela. Cela à quoi vous faites référence? Donc, E3/375, ERN en français 00369916, ERN en anglais 00360754, et ERN en Khmer 00364793, et ça se poursuit sur la page suivante. Voilà ce que vous dites. Nous avons fixé un plan pour chaque commune de recruter les militaires d'après le besoin de l'échelon supérieur, par exemple 5 ou 10 personnes par commune. Ensuite, chaque commune m'avait envoyé les combattants que j'ai entraînés et armés. Je me rappelle à ce moment-là avoir recruté 200 militaires, mais l'échelon supérieur n'avait exigé que 100. Fin de citation. Donc, est-ce bien cet événement auquel vous faites référence? Est-ce que vous avez bien recruté 200 militaires dans les différentes communes du district de Krochmar? Yes, oui. I
had recruited more than soldiers at that time, and they were being trained. And my plan was to recruit up to 200. And the information was heard by the Center Army, and they were concerned that maybe I was about to involve in any rebellion. For that reason, I was called by the center to answer those questions. Et c'est pourquoi j'ai été convoqué au centre pour répondre à des questions. And that's where I was asked about the biography, the bad biography of my relative. Qu'on m'a demandé la biographie des membres de ma famille. Vous poursuivez toujours sur la même portion de votre déclaration en indiquant ces militaires, c'était pour les confier au camarade Ron, alias Sun Kung, qui était chef d'une unité spéciale. Et là encore, en français, ça a été traduit comité central, alors que le mot en khmer est le centre Machum. Vous dites, vous précisez que Sang Khun est actuellement conseiller du gouvernement royal à Anlong Veng, et vous dites, à ce moment-là, il avait 400 militaires spéciaux pour organiser la défense. Fin de citation. Est-ce que ce recrutement des militaires et l'organisation de la défense dont vous parlez était en lien avec les combats avec le Vietnam ou est-ce que c'était autre chose? To my understanding, there were two issues. D'après ce que j'avais compris, il y avait deux questions. One was to have them prepared to counterattack the Vietnamese at the border or the rebellious activity. And the second was to suppress those infiltrated forces who have already reached the district level. La question c'était de débusquer, d'éliminer les forces infiltrées qui avaient atteint le niveau du district. Vous poursuivez ce que vous nous avez indiqué tout à l'heure, toujours sur votre déclaration. In your statement again, Sun Sen m'a demandé pourquoi j'avais créé l'armée, si je voulais fomenter une trahison. Je lui ai répondu que non, que j'avais confié 100 militaires au parti et que j'avais gardé les 100 autres pour défendre le district. C'était seulement plus tard que j'ai envoyé à Sang Kung ces 100 militaires. Fin de citation. Ma question est donc la suivante. Si j'ai bien compris ce que vous avez ensuite expliqué à Sun Sen et ce que vous nous avez dit, c'est que c'est vous tout seul qui avez pris l'initiative de recruter plus de soldats que ce qui vous avait été demandé par l'échelon supérieur et que les 100 soldats supplémentaires, vous les aviez d'abord affectés à la protection du district. C'est bien ça. Yes, that is correct. Oui, c'est bien ça. Est-ce que vous savez si dans d'autres districts de la zone Est, il y avait également des responsables de district qui avaient pris l'initiative d'avoir des soldats de district sans même que l'échelon supérieur leur ait demandé? Est-ce que vous savez cela? No, I don't. Non, je ne sais pas. Tout à l'heure, vous avez évoqué les combats à la frontière vietnamienne. Vous l'avez également évoqué avec mon confrère lorsque il vous a cité un passage de la déposition de Kepik Vanat, le fils de Kepok. Est-ce que vous vous souvenez quand ont commencé les combats à la frontière vietnamienne? To my limited knowledge, although I was not that clear. Assez limité, ce n'est pas très clair dans mon esprit. It started with the arrest of cadres, and after they all had been arrested, et après
Ils ont tous été cadres actually fled to Vietnam. Se sont enfuis au Vietnam. So one was defeated to the Vietnamese side, while the other group actually separated themselves and fled to the jungle. Et un autre groupe s'est enfui dans la jungle. Et comment vous avez eu ces informations? How did you obtain that information? Because I was there. Mais j'étais là. And I was providing trainings to the soldiers. Et je formais les soldats. And these so-called secret force actually hurted the people to go to the forest in order to go to the Vietnamese territory. Pour ensuite s'enfuir en territoire vietnamien. And the situation was rather disturbing. Et c'était une situation très préoccupante. So we were so concerned of our own safety, concerned that the villagers there would rebel, and concerning about these forces. Et aussi que nous étions préoccupés par ces forces. Est-ce que vous avez personnellement assisté à la défection de certains soldats pour aller s'enfuir du côté du Vietnam, pour aller rejoindre des forces au Vietnam? Non, je n'en ai pas été témoin. J'ai retrouvé la référence d'ici peu, mais il y a un passage d'une de vos dépositions au cours de laquelle vous dites que parmi les 200 soldats que vous avez formés, 100 d'entre eux ont pris la fuite et sont entrés en combat avec les forces du Kampuchea démocratique. Est-ce que vous vous souvenez de cette déclaration? What I meant was that ce que je voulais dire par là, soldiers had to be recruited and trained in Kloutma district. Dans le district de However, when I returned, Sonsen quand je suis rentré, told me that I would not be Sonsen killed, and I should relay that information to other cadres there. And I was let go with my messenger. Avec mon messager. And for those who didn't have a boat to cross the river, actually they swam across the river. Ils ont franchi le fleuve à la nage. And then the people in Kloutma district were evacuated to Chamkale. Les gens du district ont été évacués à Chamkale. Je reviendrai quand je retrouverai la référence à ce passage. Pour le moment, je voudrais revenir à un passage de la déposition de Kepik Vana, document E3/35, qui vous a été lu par M. le coprocureur international. Et c'était, je ne sais pas si vous en souvenez, un passage au cours duquel Kepik Vana faisait référence à une enquête qui avait été ordonnée par Pol Pot à son père Kepok à la suite de corps flottant sur le Mékong, une enquête a priori pour savoir ce qui s'était passé. Ma première question est de savoir, est-ce que vous avez eu vent d'une telle enquête? No, I wasn't. No.
Est-ce que vous pouvez rappeler quel était le poste de Kepok au moment où vous dites vous-même avoir vu des cadavres flotter sur le Mekong? Quel était son poste exact? So what was his exact position then? He was chief of the central zone. Il était chef de la zone centrale. The military commander at the front battlefield with the Sun Sen. Avec Sun Sen. Et lorsque vous avez été affecté à Krochmar, vous êtes sûr de ne pas avoir entendu parler d'une enquête de ce type? Non. Vous avez indiqué avoir vu des cadavres sur le Mekong. J'ai cru comprendre de votre déposition que vous avez compris qu'il s'agissait de militaires. Est-ce que vous savez de quel bord ils étaient? Non. Et avez-vous à un moment quelconque évoqué cet incident avec Eun ou un autre responsable? Pouvez-vous répéter la question? Je vous demande si vous avez évoqué cet incident de cadavre sur le Mekong. Est-ce que vous en avez parlé avec un quelconque responsable, que ce soit un responsable au niveau du secteur ou un responsable au niveau de la zone? I saw it. Après avoir vu cela. Then in the meeting, I said that I saw j'ai about three or four corpses floating in the river. Qui flottaient dans le fleuve. And allow me to clarify that I didn't hear about the floating corpses from the précisé. Upper level, but je I saw the corpses, and I spoke about non, it cadavres, in the meeting. And they said I was told that it was not a big deal because now the main concern is about the national situation. Là, c'était la situation nationale. Et quand vous dites on vous a dit, de qui parlez-vous? You were told. Whom are you speaking about? It was in the sector, including those heads of the sector, donc, including Ren, chefs de secteur, and other sector chiefs. Et d'autres chefs de secteur. I cannot recall the name of the person. Je ne me souviens pas du nom de la personne. But I remember that I was told that I should not bother about that, and the main concern now was at the time was about the national situation. De la situation nationale à ce moment-là. J'ai retrouvé, avec l'aide de mon équipe, le passage que je voulais évoquer avec vous tout à l'heure quand je parlais des 100 militaires qui auraient fait défection. C'est toujours le document E3-375, ERN en français 00-369-920, ERN en Khmer 00-3-4-8-7-9-8, URN en anglais 00-3-6-0-7-5-8. Voilà ce qui est indiqué.
un jour après mon arrivée chez moi, située à la région 42, alors, dans le district de Krochmar, un problème a eu lieu. Les 100 militaires que j'avais entraînés et gardés pour être permanents au district de Krochmar se sont enfuis dans les forêts pour se révolter contre nous. Plus tard, il y a eu l'évacuation des habitants du district de Krochmar vers la région 42 située dans la zone centrale. Fin de citation. Donc ma question est la suivante, est-ce que oui ou non, vous avez eu vent du fait que 100 militaires que vous aviez entraînés pour être au district se sont enfuis et se sont révoltés? Yes, I know it for sure. Oui, je m'en souviens. The soldiers that I prepared. Les soldats. I was told that the soldiers that I prepared actually fled to the forest. On fuit dans la forêt. Together with the weapons. Avec les armes. And for that reason, the people had to be evacuated voilà to Stamtram and then to Chamkarlu. Et à Chamkarlu. Some said issued an order to Kapo and Eun for me to go and meet with those people and to make them sure that they should not be worried because I myself was still alive, so that I should go, otherwise they would not believe it. Donc leur dire, sinon ils ne l'auraient pas cru. Monsieur le Président, je vais passer à une autre ligne de questionnement. Je ne sais pas si vous voulez marquer la pause maintenant. I would like to go into another line of questioning. I don't know whether you'd like us to go on break now. President, yes, it is now time for us to take our afternoon break. 14h45, we will resume the hearing at 2:45 p.m. Court officer, take the necessary measures to enable the witness to rest properly and bring him back to the courtroom at 10 minutes to 3 with his duty counsel.